Oh, j'ai 11 abonnés! Oh, génial! Oh putain, trop cool, mais ils sont trop sympas! Putain, je savais pas que j'allais revenir là! Tiens, il y a combien Marcel Cotillard? Tiens, je vais aller voir. Putain, c'est génial! C'est vraiment, vraiment un de mes rêves qui se réalise là! Salut à tous, je suis Monsieur Armumax et vous connaissez la chanson. Bienvenue dans cet épisode où je vais parler un peu de la chaîne, des petites infos comme ça. Je pense que je mettrai déjà une petite info, je pense que je mettrai un truc de ce genre tous les mois. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire merci à vous pour les 11 abonnés. Je vais pas dire que je savais pas que j'allais en arriver là parce que c'est à 50 ou 100 que je pense pas en arriver là. Mais quand même, ça a été rapide. Et vu ce que j'ai remarqué, c'est sûr, moins on a d'abonnés, moins vite ça va monter. Et ça a quand même monté vite hein, pendant ces derniers mois. Surtout en ce moment, dès que j'ai commencé à peu près à améliorer les épisodes. Donc merci à vous. Donc, oui, mon lit, oui, c'est un clic-clac, oui. Et c'est vrai que je ne mets pas souvent en canapé pour deux raisons évidentes. Premièrement, la flemme. Deuxièmement, parce que après, les chats ont moins de place. Et. Enfin, c'est pas qu'ils ont moins de place qui me saoule, c'est que du coup, ils se mettent tous partout sur le lit et moi, j'ai plus de place. Mais là, j'ai mis pour changer. Donc, ça serait bien. Donc déjà pour vous rappeler au cas où vous avez vu le trailer, il va y avoir un flap au piano qui arrivera bientôt, qui va arriver dans 2-3 jours, oui. Oui c'est ma vie donc oui. Et la surprise, je vous laisse deviner ça sera quand. Parce que si je vous dis c'est quand, ça va vous donner un indice. Pas l'indice absolu, hein. Vous allez vous dire quelque chose, mais je pense pas que vous allez vous dire exactement ce que c'est. Mais cette surprise là, c'est mon cadeau de Noël. Bah, c'est pas vous qui m'avez demandé de faire ça, parce que vous ne mettez pas souvent de commentaires. Mais bon, une surprise pour une nouveauté. Alors premièrement, on va parler des FNAF au piano. J'aurais pu parler des pourquoi, mais on va commencer par ça. Les FNAF au piano sont beaucoup améliorés, vous allez voir le prochain qui va venir, du deuxième épisode d'ailleurs, le troisième, il faudra que je fasse un truc, mais je vous en parlerai plus tard. Donc le FNAF au piano, ils ont un meilleur son, parce que grâce à une tablette de quelqu'un que je connais, le son est beaucoup mieux que quand je filme. Ah oui, du coup, il n'y a que du son, il n'y a pas de vidéo, mais je mettrai une image. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez un FNAF au piano avec en vidéo ou un FNAF au piano que du son, mais le son est bien. Ouais, je peux aussi filmer avec la tablette, mais je ne sais pas encore ce que ça fait. Mais bref, ce son, il est beaucoup mieux, hein, moi j'aime bien. Ça, c'est un beau son, c'est bien pour jouer au piano. Par contre, il est tellement bien que si t'as quelqu'un qui, je sais pas, qui est en train de s'essuyer, je sais pas, tu l'entends. Mais bon, hein. Faut juste être dans une pièce calme. Donc le FNAF au piano, je pense qu'il sera bien. Vous allez me demander pourquoi tu filmes pas avec ça, puisque tu as un son pourri, monsieur Hervé Max. Et ben, c'est parce que, en fait, ben, je viens de vous le dire, c'est la tablette de quelqu'un, j'ai pas l'emprunté à chaque fois que je filme. Si je l'emprunte à chaque fois que je filme, autant que ce soit ma tablette, quoi. Je pourrais m'acheter ma tablette, mais on va se calmer parce que là j'ai déjà des nouveautés qui vont arriver. Je vais vous en parler dessus. Donc je commence à vous en parler. Vous savez que moi j'adore la musique, hein. Je fais du piano, de la guitare, j'ai même un synthé qui est là, qui vous avez déjà vu, plein de choses dessus.
C'est pourquoi mon prof de guitare m'a donné, vraiment donné, un logiciel de montage audio que je ne sais pas m'en servir. Du coup, il faudrait que je puisse enregistrer avec mon synthé tout ça, que je puisse un peu faire des choses, quoi. J'ai déjà une idée d'une musique que je veux faire depuis longtemps. Déjà, une autre aussi, c'est le générique, oui, parce qu'il n'y a pas de générique dans mon truc, c'est juste une image noire avec pourquoi épisode, point d'interrogation, sur les claquettes. Bah, moi, il faudrait bien que je mette un petit générique, quoi. Après, il faut la vidéo, mais ça sera un peu moins dur. Donc, oui, parce que je sais bien me servir de mon synthé, donc je pourrais faire des choses. De plus, si j'arrive à utiliser ce truc, c'est sûr que je peux l'utiliser. Pour le prochain FNAF au piano, à part celui qui va arriver pour l'épisode 3, quoi, je le mettrai en même temps que l'autre. Parce que j'ai envie de faire une musique qui existe déjà, remixée et fait au piano. Je vais les sortir en même temps, sinon on va croire quoi. Sinon ça va vous saouler de mettre l'un après l'autre, vous allez dire je fais que ça. Bon, maintenant parlons des pourquoi. Bah, je vous ai dit déjà, je vais faire un générique. Après mon trailer pour les vacances de Noël, j'ai pas mis toutes les vidéos que je vais faire pour les vacances de Noël. Hein. Je vais en faire d'autres, hein. Mais j'ai mis sur Noël, la surprise, c'est un peu rapport aussi avec les vacances. Et le FNAF au piano, c'est parce que ça fait longtemps que je l'avais pas fait, et voilà, c'était un peu des spéciales, quoi, des trucs spéciales. Mais je vais quand même faire d'autres vidéos de pourquoi. Le scénario sera plus long que pour Noël. Noël, c'était particulier, sa longueur. Et voilà, je ferai d'autres choses. Et pour information, la petite blagounette que j'ai fait tout à l'heure avec Mars51 Gaming, c'est une blague. Hein. Je connais ce mec, c'est un ami à moi. Et ses vidéos sont bien. Hein. Je comprends pourquoi il a plus d'abonnés que moi. Il fait des jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est très connu dans le milieu, wesh. Du coup, je vous propose d'aller voir sa chaîne, lien dans la description. Et de toute façon, c'est vrai, il a un abonné de plus, mais de rien quoi. Et puis, c'est pas comme s'il me trollait à chaque fois qu'il a des abonnés en plus. Bonjour, vous avez un nouveau message. D'ailleurs, je vais peut-être faire des collaborations dans des épisodes, genre inviter Mars51 Gaming, enfin, s'il veut bien montrer son visage, parce que pour l'instant il ne l'a pas encore montré. Et voilà, par exemple, j'ai un pourquoi, et il m'a dit sinon j'ai une idée pour cet épisode-là, je pourrais venir à un moment. Je ne sais pas s'il rigolait ou s'il était d'accord, mais en tout cas, on verra bien quoi. D'ailleurs, en regardant les vidéos de justement Mars51 Gaming, je me rends compte que ça doit être super marrant de faire des jeux avec vous. Du coup, je me pose la question du est-ce que moi aussi il faudra que je fasse du gaming. Et aussi, lui, il a eu un logiciel gratuit par un ami. Il a tout gratuit. Du coup, je me demande, il faudrait que j'achète un logiciel. Parce que ça serait marrant hein, de faire des petites vidéos comme ça, gaming, avec vous. Par exemple, Minecraft, je le rush toute la journée. Ou même, trouver un logiciel pour filmer avec ma Wii U. Parce que là, j'ai eu ma Wii U et mon Super Mario Maker. Et putain que j'en suis fier. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse du gaming aussi. Vous avez deux choses à me dire dans les commentaires. Je pense que c'est à peu près tout. On a parlé pourquoi le FNAF au piano, Neuromix, surprise, ouais. Ouais, on a parlé à peu près de tout. Donc, je vous rappelle dans les commentaires, dites-moi si vous voulez, par exemple pour le FNAF au piano, si vous voulez me voir filmer, ou si vous voulez bien que je fasse que de l'audio avec une image. Et dites-moi si.
si vous voulez que je fasse du gaming, et qu'est-ce que vous conseillez? Bon, je sais pas combien de temps il y aura cet épisode, si ce sera long, court ou pas, mais en tout cas ça fait plusieurs vidéos d'une minute que je suis obligé de faire. Parce que mon logiciel de montage il bug, si c'est plus d'une idée. Du coup, je vous dis à la prochaine, passez de bonnes vacances, bon réveillon, éclatez-vous, vous pouvez même aller voir ma 51 Gaming, c'est super ce qu'il fait, je trouve. Ce n'était pas de la pub. Ça aurait été de la pub, il m'aurait envoyé un message. Et si vous ne me croyez pas, vous gardez sur mon portable. Donc, je n'importe quoi, je suis crevé. Je vais me reposer un peu avant de faire un montage de mon snap au piano. Sur ce, bye bye. À la prochaine. Prenez une poêle. Et joyeux Noël.